We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Little Big Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Salut people, Little Boy here. Bienvenue pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez tous bien. Yes, last week and this one, two in a row. Boom! Let's try to maintain it. C'est pas le truc le plus évident de la planète, but I'll try. Alors j'espère que vous passez une bonne semaine, vous passez de bons moments, la rentrée pour certains, la reprise du taf pour d'autres, voilà. La vie d'adulte pour certains, il n'y a pas eu de vacances, il n'y a rien eu, c'est juste une vie. Certains qui sont là en train de gérer leurs enfants, vous savez, la vie. Oui, on est arrivé à un stade où certains d'entre nous sont là en train de gérer leurs enfants. This is not easy at all. I understand. I got you. It's gonna be fine. You know, don't be too harsh on the kid. You know, soyez pas trop difficile avec les enfants. Soyez pas trop tendre avec les enfants. Try to learn how to balance. Donnez-leur du temps pour réfléchir, pour respirer. Donnez-leur du temps pour s'amuser. Donnez-leur du temps pour apprendre. Donnez-leur du temps pour se prélasser et ne rien faire. This is parenthood. I don't know why I talk about parenthood à l'entrée du podcast, à l'entrée de l'épisode. Vous savez quoi? Let's go to the beef of the sujet. Buckle up, people, because you and I, in this boat, we are going to kill it. Alors, dans l'épisode précédent, j'ai parlé de the winner spirit. J'ai parlé de, du sens de la gagne. Et dans cet épisode qui n'a rien à voir avec l'autre, déjà le titre, c'est not principal but main. Je vais parler de trois personnages d'histoire qui n'ont rien à voir également. Mais trois personnages, en fait, ils sont très importants, qui, en fait, selon moi, ne sont pas des personnages principaux, mais qui sont des main characters. C'est vraiment pas des... Oui, je sais que ça veut dire la même chose, mais dans ma tête, la vie, c'est pas la même chose. C'est pas des personnages principaux. C'est pas des personnages qui ont le second rôle, mais ils sont aussi importants que le personnage principal. Parce qu'ils sont aussi importants pour la trame de l'histoire que le personnage principal. Ils ont autant d'impact que le personnage principal. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est des personnages, en fait, qui sont très inspirants, souvent plus inspirants que le perso principal. Et c'est notamment le cas, je ne sais pas lequel je vais garder pour la fin, je pense que c'est mon préféré. C'est notamment le cas de Sam Gamgee, dans Le Seigneur des Anneaux, qui n'est absolument pas le personnage principal, qui est un personnage que les gens peuvent oublier jusqu'à peut-être les derniers films de la saga. Mais c'est un perso très important. Parce qu'en fait, quand on se rend compte que Frodon, tout le long du film, il donne tout ce qu'il a, parce que c'est un saké, c'est un hobbit. Les hobbits sont courageux, des fois leur courage est dû à leur ignorance. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils sont téméraires et everything. Mais en fait, il y a cette partie où, dont on ne fait pas attention, c'est en plus du fait que Sam, il cuisine, il accompagne et il supporte émotionnellement, physiquement Frodon, il y a toute cette partie où Sam, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui te sort les meilleurs récits, les meilleurs conseils du Seigneur des Anneaux. Et moi, c'est ça, en fait, ça m'a beaucoup touché. Il y a des parties où j'ai écouté Sam. Je me dis, mais attends, pourquoi quand j'étais petit, moi, j'étais trop concentré sur Gandalf, j'étais concentré sur Frodon, j'étais concentré sur tout le monde, mais jamais, à aucun moment, I pay attention to Sam. Bah, en fait, c'est comme la théorie que j'avais avec les méchants. Quand on est petit, on les déteste, en grandissant, on apprend à les comprendre. Bon, pas tous les méchants, mais certains, tu vois. On les déteste juste parce que c'est les méchants, parce qu'on nous a appris la dualité entre le bien et le mal, le noir et le blanc, et noir et le blanc en termes de couleur, pas en termes de race, keep it in mind. Le bien et le mal, elle nous a dit que c'était juste une dualité. Sauf qu'en grandissant, tu te rends compte que des fois, ce n'est pas une dualité, c'est plus complexe que ce à quoi ça ressemble, vous savez. Et en fait, ça me rappelle cette partie, que ce à quoi ça ressemble, en fait. Et pour revenir à Sam, il y a la partie où il parle à Frodon, où il lui dit, où il essaye de le cheer up, parce que le gars, il va envoyer l'anneau dans la montagne du destin pour détruire l'anneau et tout. Et que Frodon lui dit, Sam, je vais pas te mentir, j'en peux plus.
Je ne me souviens plus de rien, je ne me souviens plus du goût des fraises à la crème, parce qu'il essaie de le remonter le moral, il lui dit, mais tu te rappelles la période là, c'est la période où on a les premières fraises et qu'on fait des fraises à la crème. Tu te rappelles de la caresse de l'herbe, parce que les hobbits aiment bien se prélasser, se poser, et, you know, voilà, juste, you know, chill, fumer une bonne herbe à pipe and have fun. Il lui dit, mais est-ce que tu te rappelles de la caresse de l'herbe? Et le Frodon lui répond, mais je n'ai plus le goût d'aucune nourriture. Je me rappelle plus de la caresse de l'herbe, je me rappelle plus d'absolument rien. Et en fait, c'est le moment où Sam il lui dit, je sais que je ne peux pas porter ton anneau à ta place, mais je peux te porter toi à la place de l'anneau. Parce que c'est comme dire à ton ami, je ne peux pas porter ton fardeau pour toi, mais je peux te porter toi. Et toi, en fait, tu vas porter ton fardeau pendant que je te porte, tu vois. So it's like, I cannot push your car, but I can push you so you can push your car. En fait, un peu ce que ça veut dire, je vais vous mettre la partie là. Allez, monsieur Frodon, je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Sam a été très important sur tout le long. Sam a délivré Frodon de tellement de pièges, de tellement de délires, que tu te rends compte à la fin que that dude is super important for the movie, though. Même si c'est un personnage qui. Franchement, tu demandes à quelqu'un d'enlever des persos du film, il peut enlever Sam, hein. Il peut enlever Sam sans pression. Mais il a sauvé Frodon plusieurs fois. Il tient des discours un discours sur l'honneur, et à ce discours-là où il explique que, oui, vous allez me dire, le gars là, il maîtrise l'histoire là, parce que j'aime la saga Seigneur des Anneaux. Et en fait, il y a une partie où il explique à Frodon, et il lui dit, mais vous savez, ces personnages de ces grandes histoires qu'on écoutait avant. Les histoires où c'était tellement compliqué, c'était tellement tragique qu'on n'avait pas envie de connaître la fin. Vous savez, ces personnages de ces grandes histoires, ils avaient 1000 raisons de se retourner, 1000 raisons de faire demi-tour, de faire autre, you know, de faire le mal et de ne pas rester fidèle à leur honneur. But they wasn't doing it. And ils avaient 36 raisons de se retourner, but they didn't. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes, ils se sont battus pour leurs convictions et pour leurs valeurs. Et ça, c'est des choses que Sam a rappelé à Frodon plusieurs fois. Tout au long de leur aventure. Et en fait, tu te rends compte à la fin que s'il n'y avait pas Sam, Frodon, he would crumble au premier film, quoi, en fait. Parce que dès que les problèmes allaient commencer, he would crumble, ou Gollum allait le tuer sur tout le long, et c'est fini. Pour les gens qui ont regardé Le Seigneur des Anneaux et qui ont compris. Alors, avant de vous fatiguer, de vous intoxiquer avec Le Seigneur des Anneaux, je vais aller à un deuxième personnage. Le deuxième personnage, je suis sûr que beaucoup d'entre vous allez l'aimer. Parce que ce deuxième personnage, c'est Severus Snape, Severus Rogue, pour ceux qui regardent Harry Potter en français. Comme moi! Parce que moi, je regarde Harry Potter en français. J'ai beau regarder tous mes films en anglais, mais je regarde Harry Potter en français. Pourquoi je regarde Harry Potter en français? Parce que bah, c'est des films que je regardais depuis tout petit. Et moi, je les ai regardés en français. C'est-à-dire, les répliques, je les connais en français. Tout ce que je connais de Harry Potter, je le connais en français. Et quand on change la chose, c'est comme si je changeais la trame dans ma tête et ça sonne pas pareil. Je suis très nostalgique par rapport à ça et ça sonne pas pareil. Donc, du coup, je regarde toujours qu'en français. C'est la seule chose que je regarde toujours en français. Je m'en ouf du délire de le film, il est meilleur en anglais ou pas. La traduction est française, est bonne. So I watch it because I love it. You see? It's not Leviosa. Non, c'est pas Leviosa, c'est Leviosa. C'est pas, you know, you got me though. Ça, en fait, c'est Severus Snape dont je parlais dans Harry Potter, qui n'est pas le personnage principal, mais qui a beaucoup à voir avec le personnage principal dans le sens où Severus Snape est lié à Harry Potter, mais genre depuis le début, a toujours été lié à Harry parce qu'il était le meilleur ami entre guillemets de sa mère au départ. Ensuite, il est tombé amoureux de la maman de Harry Potter et quand il fallait sauver Harry Potter, il a tout fait pour sauver déjà sa maman et son papa, qu'il n'a pas pu sauver, mais il a sauvé le petit et il a protégé le petit sur tout le long. Il a protégé le petit sur toutes ces années d'études à Poudlard. Et ça, en fait, c'est des choses que tu ne sais qu'à la fin. C'est des choses sur lesquelles tu te rends compte que plus tard, il a forgé le petit sans que tu t'en rendes compte. C'est lui qui a fait quoi? Il a initié le petit à la légitimation. Il a aidé à forger son caractère parce qu'il le montrait qu'il le détestait alors qu'il le détestait pas vraiment. Il a aidé le petit à être meilleur en potions comme sa maman parce que grâce à lui, son livre du prince de Sang-Mêlé, le petit est devenu meilleur en potions et en sorts. Harry Potter, grâce à Rogue. On s'en rend pas compte, hein, mais c'est un personnage qui compte beaucoup. Et quand il a fallu prévenir Harry et pour le sauver, il a envoyé son Patronus.
qui ressemble également au patronus de sa maman. Il a beaucoup fait pour Harry Rock, sur tout le long. Et il a beaucoup fait pour la trame de l'histoire, parce que he does advocate for Malfoy, he does advocate for Dumbledore, he does advocate for Harry Potter, and he does advocate for Lily James, and he's, I think, la seule personne pour qui il n'a pas really advocate, c'est himself. Il a été tellement présent pour tout le monde qu'il n'a pas pu être présent pour lui. Il a vécu pour les autres, parce que dans la vie, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui vivent pour les autres. Il y a des gens qui décident. It's not a people pleasing. Il faut faire une différence entre people pleasing et ça. Ça n'a rien à voir avec le people pleasing, mais il y a des gens qui décident de dédier leur vie à quelque chose. Ou bien ils ne le décident pas, mais that's what they do. Il a été là pour tout le monde. Il a été là pour, pour Dumbledore. Il a été là pour Malfoy. Il a été là pour Harry. Il a été là pour Lily et James quand il a pu. Il a été là pour l'Ordre du Phénix. Mais il a jamais pu être là pour lui. En fait, c'est quelque chose dont je viens de me rendre compte à l'instant que j'étais en train d'expliquer là. And this is a part of him that I hate, that he couldn't be here for himself. Il a vécu, mais il n'a pas vraiment vécu Rogue. Il a vécu à travers de l'ombre de l'amour qu'il avait pour Lily. You don't live through ghost and you don't live through shadow. Après, chacun choisit la manière dont il vit, ça c'est très important. Tu peux vivre à travers un amour que tu as pour quelqu'un, l'aimer from a distance, et te dire, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre, but it's not the best way to live. Chacun est appelé à vivre heureux et à partager sa joie et son amour avec une autre personne ou avec un groupe de personnes. Bah, Rock, il a choisi ce chemin-là. Et à la dernière, des dernières minutes, pendant qu'il mourait, il a décidé d'être là pour Harry. Prends cette larme, mets-la dans la pensive et tu vas comprendre tout. And that's what he did. Ici, vous comprenez maintenant l'impact de Rogue. Il a aidé Dumbledore à maîtriser le poison et ensuite à le tuer au bon moment, parce que sinon Dumbledore, dans tous les cas, il allait mourir. En tuant Dumbledore, il aide Malfoy à pouvoir tenir sa promesse face au Seigneur des Ténèbres. Je ne sais même pas pourquoi il s'appelle le bouffon là, Seigneur des Ténèbres. Face au Seigneur des Ténèbres. And this is something super incredible. On s'en rend pas compte, mais Rogue, à un certain niveau, is crazy. Son impact dans l'Ordre du Phénix aussi est incroyable. Parce qu'il était un agent double, triple, quadruple, centuple, on ne sait même pas. Mais il aidait également l'Ordre beaucoup, parce qu'il était là et voilà, Dumbledore l'avait sauvé. Et il faisait maintenant partie de plus de l'Ordre que, voilà, que ce que les autres croyaient de l'autre côté. And this is Severus Rogue. Et la preuve, Harry lui donne son nom à la fin. Harry se rend compte de qui était Rogue sur tout le long, et Harry lui donne son nom à la fin. Et ça, tu... En fait, quand tu es petit et que tu lis le livre et que tu regardes le film, tu comprends qui est Rogue. Non. Tu sais ce que Rogue a fait. En grandissant, tu comprends ce que Rogue a fait. This is not easy. En grandissant, tu comprends mieux beaucoup de choses. C'est comme l'épisode des méchants charismatiques où je disais, en fait, quand tu es petit, certains vilains, tu sais pas, en fait. Mais en grandissant, tu apprends à les comprendre. Tu sais toujours qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas forcément bon. Ça veut dire qu'ils ont tué des gens ou bien ils ont fait du mal. Mais quelque part, tu les comprends. Parce que la volonté de base n'est pas mauvaise, c'est l'exécution qui est compliquée. Et Rogue, en fait, à son niveau, c'est pas la même chose par contre. L'exécution n'est pas forcément compliquée, mais sa position était délicate. Donc du coup, il voyait le papa de Harry dans Harry, mais il aimait Harry pour sa mère. Donc du coup, il détestait la pseudo-arrogance qu'il croyait qu'elle existait en Harry. Alors Harry, il est juste con. Il est tout le temps au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais parce qu'il détestait son père. Voilà. Et ça, je dérive un peu, mais this is Severus Rogue. C'est un peu ça. Des fois, il y a des gens, en fait, dans une histoire, c'est pas les personnages principaux. Mais en fait, ils font autant ou sinon plus que le personnage principal. That's why, voilà pourquoi j'ai appelé not principal, but main. Le sujet de cet épisode. Alors, sur mon dernier personnage, c'est pour moi le personnage le plus important. Disons, ces deux dernières années, par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple très simple. Avatar The Last Airbender, je l'ai regardé, c'était en 2009 que j'ai regardé, 2009-2010, jusqu'en 2011, j'aimais bien regarder. Mon personnage principal, j'allais te dire Aang, ou j'allais te dire Katara, parce que c'est les personnages principaux. Mais en grandissant, le général Hiro est devenu mon personnage principal. Parce que the more you grow,
plus tu te rends compte en fait qui il est, ce qu'il a vécu et comment il a fait pour surmonter tout ça. Tu comprends pourquoi bah, il devient ton personnage principal. Et moi, c'est mon personnage principal. Et en fait, c'est quelqu'un qui a connu les moments les plus sombres de la vie, mais qui a choisi quand même de... qui a choisi le bien. Qui a choisi en fait de voir le bon côté de la vie. Ce n'est pas les personnes qui vivent des choses difficiles et te disent « tu ne sais pas ce que j'ai vécu ». Et qui deviennent Edward Cullen de Twilight. Et des gens qui voient tout en gris, en noir et en blanc et qui décident de rester dans le noir ou machin chose, qui décident de vivre en souffrance et voilà, et de se morfondre jusqu'à la fin de leur vie ou de devenir méchant jusqu'à la fin de leur vie. Le gars a connu les meilleures parties d'un homme, quoi. Ça veut dire le gars a connu la célébrité, le gars a connu le pouvoir, le gars a connu la défaite et le gars a connu la souffrance. Et il a décidé de rester quand même quelqu'un de sage, quelqu'un de bon. Parce que, quoi qu'on puisse dire, la souffrance te rend bon. La souffrance te rend, la souffrance et l'expérience te rend sage. If you use it, si tu l'utilises à bon escient. Parce qu'en fait, il y a deux personnes. Il y a des gens qui vont souffrir et qui vont décider de dire « Ah, mais parce que j'ai souffert, je vais faire souffrir tout le monde. » Il y a d'autres qui vont dire « Mais parce que j'ai souffert, I'm gonna learn from it. » Mieux vivre pour ne plus souffrir et essayer d'éviter aux autres ce que moi j'ai vécu. Et en fait, le général Hiro, c'est ça. Le général Hiro, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui dans l'histoire Avatar, dans l'histoire Avatar de Last Airbender, c'est le dragon de l'Ouest, c'est littéralement quelqu'un qui pouvait te décimer toute une armée à lui tout seul parce qu'il était très fort, il était tellement bon qu'on lui a confié la prise de, disons par exemple la prise de Ba Sing Se, pour vous donner l'exemple de Ba Sing Se c'est un pays qui a la taille de la Chine. Et on lui a dit, vas-y, occupe-toi de ce pays-là et prends-le, tu vois. Et he was taking Ba Sing Se. Et il était tellement bon, il était tellement bon en guerre, il était tellement cruel, jusqu'au jour où son fils est mort, et qu'il s'est rendu compte, en fait, de tous les temps qu'il a perdu en s'investissant dans la guerre, et en n'étant pas là pour son fils, et qu'il n'avait pas assez aimé son fils, et qu'il n'avait pas assez été présent pour son fils, ouais. Et donc, du coup, il a décidé de dédier le reste de sa vie à son neveu. Et qui fait partie de la trame de l'histoire. Et en faisant ça, il influence également, en fait, le personnage principal. Le gars nous apprend tellement de choses. Dans ce show-là, dans cette série-là. Et plus de choses que l'Avatar lui-même, vous savez. Il nous apprend des choses sur la haine, la patience, la détermination, l'esprit de groupe, l'esprit de famille, l'amour, la défaite. Whatever, il t'apprend énormément de choses. Il t'apprend tellement de choses qu'on va te dire que c'est le mec le plus sage de tous les animés confondus. Je pense que je vais retourner tous les animés et tous les films. Je ne pourrai jamais trouver un personnage plus sage que le général Hiro. Après, je suis désolé si vous n'êtes pas très animé ou pas très film ou quelque chose comme ça. Juste prenez la partie où je parle du caractère. How is that? How is it? Yeah. Où je parle du personnage et de son caractère que autre chose. En fait, c'est quelqu'un que, voilà, j'aime beaucoup son personnage, mais j'aime beaucoup le personnage du général Hiro, parce que c'est un personnage très sarcastique, très réel. C'est parce que c'est pas, en fait, des gens qui se cachent derrière un sarcasme et qui se cachent derrière une certaine positivité, mais qui n'est pas vrai, c'est une positivité toxique. Mais à son niveau, c'est pas le cas. C'est à son niveau, c'est « he does what he loves », tu vois. Et il dit la vérité. Et il le dit de la manière la plus directe, entre guillemets, mais des fois qui ne blesse pas, parce qu'il sait un peu, en fait, émotionnellement à quel niveau qui est où. C'est comme la fois où il dit où Aang lui dit, en fait, « What do you think? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Parce que moi, il y a un pouvoir que je dois débloquer, mais pour pouvoir le débloquer, bah, faut que je renonce à la personne que j'aime le plus au monde. » Et il lui dit, en fait, « Tu serais très sage. Tu es très sage de choisir l'amour plutôt que le pouvoir et la perfection, parce que perfection and power are overrated, you know. Le pouvoir et la perfection sont très overrated. Choisis l'amour et la compassion et l'amitié plutôt que ça. Parce qu'en fait, quand tu n'auras plus rien dans la vie, quand tu n'auras plus de pouvoir, tu n'auras plus rien, tu auras au moins tes gens, tu vois. Tu auras au moins la personne que tu aimes ou tes amis ou les personnes que tu aimes et qui t'aiment, tu vois. Something like that. Et en fait, il a beaucoup conseillé son neveu. Et tu te rends compte que ce gars a un impact incroyable. Le gars maîtrise les éléments autant que l'avatar. Le gars est quelque part plus fort que le plus grand vilain du film. Mais après, il est calme, il est cool, il est devenu sage. Et en fait, c'est des persos qui influencent beaucoup
les shows dans lesquels ils sont. Et voilà pourquoi je les ai appelés Not Main, Not Principal, but Main. General Hero, Not Principal, but Main. Severus Rogue, Not Principal, but Main. Comment il s'appelle le... Sam Gamgee, Not Principal, but Main. Et ils sont là. C'est même pas des seconds rôles. Vous vous rendez compte que c'est même pas des seconds rôles, mais des supports de hero, des supports de show. Ils sont là en gros support pour l'histoire et en gros support pour le héros principal de l'histoire, vous savez. And this is something that I love. En fait, c'est des... Sans m'en rendre compte, et c'est pour des personnages comme ça que je regarde des films ou que je regarde des séries. Même si des fois, on aime les persos principaux, hein. Mais un personnage... Ok, perso principal. Voilà. Et c'est pour des personnages comme ça, en fait, qu'on aime regarder un film ou une série. Because they give everything that they have. Ils aident la trame, et je me répète. And it is what it is. Tu sais ou pas. Et je pense qu'il a... un de ses meilleurs quotes qu'il a donné, c'est où il disait à son neveu, you must let go your feeling of shame. Because... le gars lui a dit, mais j'ai pas honte, I'm proud. Muneko, shame is not the opposite of... la fierté n'est pas l'opposé de la honte, mais là, c'est de là que vient la honte. Tu arbores une grosse fierté, soi-disant, voilà, t'es le main personnage, tu connais tout, t'en as rien à foutre des gens et de la planète. Alors que c'est parce que tu te caches derrière une honte, t'as honte de quelque chose, tu caches quelque chose, voilà pourquoi tu te caches derrière autant de arrogance, you know, autant de arrogance, you know. And this is so good. Et il lui disait, en fait, tu dois apprendre à faire la paix avec toi-même et te pardonner, sinon tu n'arriveras pas à un certain niveau, tu ne pourras pas être une meilleure version de toi. Ça veut dire, il aborde tellement de choses, il parle de tellement de choses qui nous touchent, nous, qui nous parlent à nous, tous, qui regardons et écoutons les trucs. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, que la plupart des animés, que la plupart de certains bons films, c'est pas juste des films. Et en fait, voilà ce que j'aime. Regarder certains animés, certaines séries, certains films, qui sont pas juste un film que tu regardes et tu pars. C'est un film, en fait, c'est une leçon de vie. C'est un film, tu l'apprends, tu le regardes, mais il influence ta vie. C'est pas un film que tu vas regarder, oh, it's just a movie, I love watching a movie, then I go. If it was that, I wouldn't watch any movie. Movie that I can entertain you, and then you go, you just... Après, on a des films comme ça. Parce que des fois, quand j'ai pas envie de réfléchir, il y a des films, il y a un type de film que je regarde. Je me pose, je regarde le film, je réfléchis pas. Titi, boum, boum, crac, boum, 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 jusqu'à la fin du film. Et après, c'est bon, quoi. T'as pas appris grand-chose, mais tu t'es fait plaisir. C'est voilà. Mais il y a de ces films, il y a de ces séries, il y a de ces animés, il y a de ces dessins animés qui t'apprennent beaucoup de choses par rapport à la vie et qui t'aident à comprendre certains sujets de réflexion, qui t'aident à élargir en fait ton point de ton rayon de pensée ou ton point de vue par rapport à certains sujets de réflexion. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est le cas des Ghibli, dont je pense que je vais faire un épisode spécial par rapport aux Ghibli. Les Ghibli, en fait, ils t'aident à traiter plusieurs sujets émotionnellement, sentimentalement. Ils t'aident à gérer parler de certains traumas ou machin chose. Si tu prends du recul et que tu regardes bien, en fait, c'est beaucoup ça. Parce que sinon, sans ça, tu ne comprends pas un Ghibli. Tu ne comprends pas le sens de certains Ghibli. Parce que c'est des sens cachés. En grandissant, tu te rends compte que certains films, certains livres, c'est des personnes comme toi, c'est des personnes comme moi qui ont vécu des choses, qui écrivent ces livres-là, qui écrivent ces films-là et qui ont envie de véhiculer un message derrière les belles images et les belles musiques et les gros délires qui montrent. C'est pas juste un truc que tu regardes et tu passes à autre chose. Pas tous les films, tu vois. Certains films, il y a juste une histoire intéressante, une histoire très intéressante qui est enrichissante et qui fait plaisir à voir. C'est comme le beau... c'est comme le beau pour le beau. Il y a des choses, elles sont très belles esthétiquement, mais après, elles n'ont aucune vraie signification dans la vie de tous les jours, quoi. Mais il y a des choses qui ne sont pas moches, esthétiquement, sont passables, mais qui ont une énorme signification dans la vie de tous les jours. Et voilà. Ce n'est pas le cas des Ghibli, mais parce que les Ghibli, esthétiquement, c'est les meilleurs. Et dans la vie de tous les jours, ils ont des messages et qui t'aident beaucoup. C'est le cas de beaucoup de films. C'est des choses que tu peux trouver dans énormément de films. C'est des choses que tu peux trouver dans énormément d'animés. Pour ceux qui regardent les animés, ils comprendront de quoi je parle. Des dessins animés comme Full Metal Alchemist, des animés autant pour moi comme Full Metal, comme Naruto, comme Attaque des Titans. J'ai parlé de Eren, de Attaque des Titans, dans Les Méchants Charismatiques. Tu te rends compte que c'est un méchant qui n'est pas sans motivation. Quoi.
C'est pas un psychopathe ou un sociopathe, il fait ce qu'il fait, mais pour un but, quoi. Tu vois? Quelqu'un comme Thanos, il est un peu narcissique sur les bords, parce qu'il te dit, if not me, who? Mais n'empêche, c'est des gens, tu sais, qu'ils sont pas foncièrement méchants. Thanos, il fait des trucs, il a mal, il pleure, mais il se dit que I have to do it. If not me, who is going to do it? I have to do it because I have to save the human race. Tu vois? Après, tu comprends mieux certaines personnes. Tu comprends mieux certaines décisions. Tu comprends. It doesn't mean tu les valides, mais tu les comprends. On appelle ça la maturité. Tu vas pas juste dire, ah non, qui est le faiseur mon mot, qui est mon lag, la bagne, parce que le faiseur. Ok. Tu apprends à comprendre le personnage. Tu apprends à comprendre ses agissements, même si tu les valides pas. C'est ça, en fait, la maturité. C'est comprendre quelqu'un et ne pas le valider. C'est comme un juge qui va te dire, je comprends que tu aies pu agir d'une certaine manière et je comprends en fait que tu aies dû faire ça par rapport à ça et ça et ça et ça. N'empêche, je te condamne. Parce qu'en fait, devant la loi, c'est pas bon. Moralement, c'est pas bon. Tu dois pas le faire. Même si je comprends pourquoi tu as agi de la sorte. And it is what it is. That's how it works. That's how this world works. That's why j'adore enregistrer des épisodes. Parce que ce qui m'aide avec nos épisodes, c'est qu'aucun épisode ne ressemble avec au précédent. Il n'y a aucun épisode du pod qui ressemble à l'autre. Et voilà. And this is what I love about the pod. This is what I love about y'all. Ah, j'adore cet esprit d'enregistrer des épisodes, de vous parler. And yes, I said it in the... Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Ça me fait plaisir de partager toutes ces choses avec vous. Yes! Alors les gens, merci d'écouter l'épisode en tout temps. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. If you can, donner sur le Buy Me A Coffee. En donnant dans le Buy Me A Coffee, tu supportes le podcast. C'est un don économique que tu fais pour le podcast. C'est une manière de supporter le podcast pour étendre le podcast. Même si moi là, podcast là, c'est dur, c'est pas facile. Je me donne à 2000%, mais c'est pas évident. Je peux faire plein d'épisodes parce que je pense au début de l'année, je disais ouais, on va faire énormément d'épisodes, machin chose. C'est très simple. Tu dis ce que tu vas faire, ben la vie, elle te montre autre chose. Tu vois, tu te rends compte que tu as d'autres occupations, tu as d'autres trucs à gérer, autant pour moi, et whatever. Ce qui n'est pas évident. Tu sais, après moi, le podcast, it's not my main activity. Et donc, du coup, des fois, je suis obligé de sacrifier certaines choses pour d'autres choses. Malheureusement pour moi, je sacrifie beaucoup le podcast et ça me fait très mal. Because it's my baby. It's your baby. It's our baby. It's our pod. Et donc, du coup, mais par contre, c'est le seul endroit où je ne mets pas la pression. Je m'exprime the way I feel it. Because I have a... Et je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit, je pense, sur un post. I love this community because this is a healthy community. I'm pretty sure il y a des gens qui se connaissent, entre guillemets, grâce au pod. Et I'm pretty sure il y a des gens qui échangent et qui parlent de manière très healthy grâce au pod. Because la manière dont chaque personne qui écoute le pod me parle d'une manière très healthy... And très genuine, I love it. You guys are a healthy community. That's why I love y'all. Chacun d'une manière individuelle. Je rencontre des gens dans la rue qui de base je les connais pas. J'adore Life Struggle and Tips William et j'écoute telle partie m'a touché le plus. Et j'aborde ce sujet, je discute du sujet avec certaines personnes et ils m'apprennent des choses. Et quand des fois certaines personnes ils savent que je vais pas bien, they talk to me. And I'm like, I just realized. It's a healthy community. And this is what I love. Hanging out with healthy people. Talking to healthy people. You know. Life is just what it is. Pourquoi se casser la tête à faire des I don't know what? Just leave. That's it. You know people? Hein? Alors merci d'écouter le pod en tout temps. Partagez le pod pour qu'on puisse élargir davantage cette communauté. Back up people. Because you and I in this pod. We are going to kill it. Bye.